Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, vous êtes en pleine forme et ce matin, on va faire le cours sans matériel. Salut Christine, super. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, vous êtes en pleine forme, il fait beau donc c'est cool. Ce matin, donc le cours va se faire sans matériel. Je ferai cours également samedi matin à 11h. Et puis après, donc là, mercredi, je reprends les cours en présentiel. Donc, je ne ferai plus les cours sur YouTube le lundi et le mercredi. Par contre, je vais continuer le samedi matin à 11h. Voilà. Et la semaine prochaine, on fera cours avec une chaise. Salut Monica. Oui, bah, je vais maintenir les cours en live au moins jusqu'à cet été en fait. Après, je verrai à la reprise parce que normalement le samedi matin, je travaillerai. Donc après, voilà. Là, pour l'instant, je ne vais pas travailler le samedi matin vu que je ne veux pas reprendre les cours de fly yoga pour l'instant. Voilà. Donc là, je maintiens, pas de souci, les lives hein, jusqu'à cet été. Salut Magali. Salut Anne, salut Original. Oui, dernière séance en live et on va enfin se retrouver en présentiel. Pour vous montrer comme vous êtes bon. Ah bah parfait, comme ça. On va faire un petit bilan. Mais vu que vous avez suivi les cours assidûment, donc normalement, il n'y a pas de souci. Vous allez être au top niveau. Mais je vais t'envoyer un SMS, hein. J'ai bien eu ton SMS ce matin pour le cours. Je vais vous renvoyer un SMS hein, pour vous préciser l'horaire des cours. Et Magali, merci encore beaucoup, merci mille fois également hein, pour voilà, la participation. Attend encore une petite minute que tout le monde se connecte. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, vous êtes en pleine forme. Donc ce matin, on va utiliser, donc pas de matériel, hein. On fait course sans matériel, pardon. Donc le tapis comme d'habitude, le petit coussin, la bouteille d'eau à dispo pour vous hydrater. La semaine prochaine, on fera cours avec une chaise. Je ferai cours samedi matin encore en live. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours lundi, mercredi, parce que je reprends les cours en présentiel. Mercredi, ce mercredi-là, donc il n'y a pas cours non plus mercredi en live, et après je garderai les cours en live le samedi matin 11h jusqu'à cet été. Voilà, on va commencer en position debout. Petit peu. Les pieds écartés auprès, largeur du bassin, on déroule légèrement ses genoux, on place le bassin en position neutre. C'est-à-dire qu'on a à peu près les épinières et le pubis hein, à la verticale. Donc ça, c'est vraiment très important de façon à respecter les différentes courbures de votre colonne vertébrale. Donc position neutre. Ensuite, on va remonter le plancher pelvien, le périnée, puis vous allez aspirer le nombril en engageant les transverses. On abaisse un peu les côtes en engageant ses obliques. On place les doigts sur les épaules. On va inspirer, monter les coudes vers le plafond. On va chercher loin derrière et sur l'expire, on laisse tomber tout doucement les avant-bras et les bras le long du buste. On abaisse un peu les épaules en glissant les paumes des omoplates sur les poches du pantalon.
On allonge légèrement sa nuque, on garde loin devant, on va inspirer par le nez, les côtes vont s'écarter latéralement et j'expire par l'arrière-gorge, elle se referme. À aucun moment votre ventre doit se gonfler, hein. Simplement les côtes qui s'ouvrent sur l'inspire et qui se referment sur l'expire. Essayez d'inspirer autant que vous expirez. Sur la prochaine inspiration, on monte les épaules vers le plafond et sur l'expiration, on glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon. Concentrez-vous sur le glissement des omoplates. Une dernière fois, on garde les épaules basses, nuque longue, on va inspirer sur l'expiration, on tourne tout doucement la tête côté droit, vous n'allez pas trop loin sur la rotation, j'inspire, je reviens, j'expire, rotation côté gauche. Et puis au fur et à mesure, je suis un peu plus loin sur la rotation, si vous pouvez, sans forcer, j'expire, j'inspire. Le mouvement est fluide. On essaie de grappiller un petit peu si vous pouvez. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient au centre. On va inspirer sur l'expiration. On rentre tout doucement le menton sur la poitrine. Puis on inspire, on lève un petit peu le menton. Pas trop loin sur l'extension derrière. Toujours un mouvement fluide. J'inspire, j'expire. Encore une dernière fois. On revient en position de départ. On va inspirer, monter bras tendus à hauteur de la poitrine pour donner un face à face. Puis on expire, on redescend doucement. Attention que les épaules ne remontent pas. Les côtes restent bien abaissées. Le bassin est toujours en position neutre. Et on cherche la fluidité sur le mouvement. J'inspire autant que j'expire. On le fait encore une dernière fois. On va alterner bras droit, bras gauche. On va inspirer, monter bras droit au plafond. On expire, on descend, on monte bras gauche. Les paumes de main sont face à face. Les doigts sont tendus, serrés. Épaules basses. Hein. Et pareil, on essaie de grappiller, de monter un peu plus. Toujours en cherchant l'allongement de la colonne, du coccyx, au sommet du crâne. Le mouvement est fluide. J'inspire autant que j'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Ensuite, on va monter les bras de chaque côté, les paumes de main tournées vers le sol et puis on expire, on redescend doucement. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. Donc pareil, l'épaule bien abaissée, le centre engagé. On cherche la fluidité. Une dernière fois, on reste en position. On pivote les paumes de main vers l'avant. On expire, on referme devant et là, je pivote vers l'arrière. Et là, vous imaginez avoir de la résistance, comme si vous étiez dans l'eau. Hein, cherchez, voilà. Attire les bras derrière, imagine la résistance de l'eau qui vous empêche d'aller devant et d'aller derrière. J'expire, je referme, j'inspire. Imaginez vraiment les résistances devant et derrière. J'expire, j'inspire. On le fait encore une dernière fois devant, une dernière fois derrière. On revient, on relâche un petit peu les épaules, on décontracte un petit peu, à nouveau on remonte les bras, on pivote les paumes de main au plafond. Donc là pareil, hop, je vais monter tranquillement, j'expire et j'inspire, je pivote, les paumes de main, je redescends. Donc je pivote dans le plafond quand je monte, hein, je pivote vers le sol quand je descends. Et là pareil, imaginez avoir des résistances, hein, qui empêchent de refermer les bras et de redescendre les bras. J'expire, j'inspire. Et pour le bien abaisser, toujours votre centre engagé, le mouvement est fluide, j'expire, j'inspire. Encore deux fois.
la dernière. Et on revient en position de départ, on relâche un petit peu. On place les doigts derrière la tête, vous croisez vos doigts, les coudes toujours tirés vers l'arrière, bien rentrer vos côtes surtout. On va inspirer sur l'expiration, on incline tout doucement le buste côté droit, j'inspire, je reviens, même chose côté gauche. J'essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche. On se concentre sur le travail des muscles à la taille. Un côté qui se contracte, l'autre côté qui est étiré, toujours en gardant l'ouverture des coudes, si vous pouvez, mais sans lâcher vos côtes. J'expire. J'inspire. Le mouvement est fluide. On le fait encore une dernière fois de chaque côté, un calé sur votre respiration. On revient en position de départ, on décontracte un petit peu, on va alterner point de pied droit, point de pied gauche. Donc là, à chaque fois, il y a un genou fléchi, un genou tendu, hein, on décolle un talon puis l'autre et on repose à chaque fois. On se concentre sur le travail des mollets. Essayez de vraiment bien passer dans l'axe de vos chevilles si vous pouvez vous appuyer sur les gros orteils. J'inspire, j'expire. Le mouvement est fluide. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Les deux en même temps, on expire, on décolle les deux talons, puis on inspire, on repose doucement. J'expire, je décolle mes deux talons. J'inspire, je repose. J'expire. Toujours un mouvement fluide. Je contrôle la montée, je contrôle ma descente. J'expire. Encore deux répétitions. La dernière, on reste en position, on maintient, j'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On repose tout doucement les talons. On va faire des flexions de jambes, des squats. Donc les pieds sont parallèles à la largeur du bassin. On va inspirer. Sur l'expiration, on fléchit les genoux. On pousse fessiers vers l'arrière. Je monte les bras autour de la poitrine et j'inspire, je reviens. J'expire, je fléchis. Je descends. Donc s'il n'y a pas de problème de genoux, vous pouvez descendre cuisse à l'horizontale, hein, pas plus bas. Imaginez avoir une chaise derrière. On vient s'asseoir sur le bout de la chaise. Je contrôle ma descente. Et je contrôle la montée, toujours en appuyant autant pied droit que pied gauche. Le mouvement est fluide, j'expire, je descends, j'inspire, je remonte. Encore deux fois. La dernière, on reste en position basse, on maintient la position, toujours votre centre. Une dernière respiration thoracique. Et on remonte tout doucement. On relâche un petit peu, on déroule légèrement ses genoux, on va faire des enroulés. On imagine le mur derrière qui nous empêche de partir avec les fesses vers l'arrière. On va inspirer sur l'expiration. J'enroule cervical, dorsal, lombaire. On laisse partir ses bras, on creuse son ventre, on regarde son nombril. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je déroule tout doucement, lombaire, dorsal, cervical. À nouveau. Donc laissez bien partir vos bras. Hein. Creusez votre ventre, regardez votre nombril. Et on déroule tout doucement. À nouveau, j'enroule. On laisse partir ses bras, on creuse bien son ventre et on déroule vertèbre par vertèbre. À nouveau, j'enroule cervical, dorsal, lombaire et on déroule. Donc, s'il n'y a pas de problème lombaire, vous allez pouvoir tendre complètement les genoux puis descendre de plus en plus bas. Sinon, vous ne forcez pas. Laissez partir vos bras et on déroule tout doucement. À nouveau, j'enroule cervical, dorsal, lombaire. Encore deux fois, j'expire, j'enroule. Laissez bien partir au bras, hein. Creusez votre ventre, on déroule tranquillement. On le fait encore une dernière fois, j'enroule cervical, dorsal, lombaire. Et on déroule tout doucement, on relâche un petit peu. On va s'installer au sol maintenant. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Donc là, on vient s'asseoir. Hop, les pieds à plat, genoux fléchis, le petit coussin si vous voulez, les mains à plat, doigts vers l'avant. On descend, on s'allonge tranquillement sur le dos. Les pieds écartés à la largeur du bassin, les bras le long du buste. On laisse la colonne vertébrale s'imprimer contre le tapis. On place le bassin en position neutre. Aucune pression sur votre bassin, comme si votre bassin flottait dans l'espace. On a à peu près les épinias et le pubis à l'horizontale. On doit sentir un petit creux lombaire sur votre creux naturel.
On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril en engageant les transverses, et puis on va abaisser les côtes en engageant ses obliques. On efface le petit creux dorso-lombaire. On glisse tout doucement les omoplates sur les poches du pantalon en tirant les doigts vers les orteils. Essayez de relâcher au maximum le cou et les épaules. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. À aucun moment, votre ventre doit se gonfler. Simplement, les côtes s'écartent sur l'inspiration et qui se referme sur l'expiration. Sur la prochaine expiration, on amène la jambe droite, puis la jambe gauche en chaise renversée. Les genoux placés au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol, pieds pointés vers le mur de. En attirant le bas du dos, vous plaquez vos lombaires contre le tapis, sinon on garde la position. Là, vous allez pouvoir presser vos genoux, presser vos chevilles l'une contre l'autre pour travailler les muscles adducteurs. Donc, je garde cette position, on va commencer par faire des twists. Donc là, on va inspirer. Sur l'expire, on laisse partir les cuisses et les jambes côté droit. La fesse gauche décolle. J'inspire, je repose. Et j'expire, je pars à gauche. Toujours en pressant mes chevilles, en pressant mes genoux. Donc là, important de bien plaquer vos omoplates hein, contre le tapis. Je me concentre sur le travail des muscles de la taille, les muscles obliques. Toujours mon centre engagé. Plancher pelvien transverse. J'expire, j'inspire. Après, si vous le sentez, on va rajouter qu'une jambe. Donc, j'expire, je pars à droite, j'allonge ma jambe gauche, mes genoux restent bien serrés, pieds pointés. Ensuite, j'inspire, je reviens. J'expire, je pars à gauche, j'allonge ma jambe droite, d'accord? Et j'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge jambe gauche, genoux restent serrés hein, pendant tout le mouvement. J'inspire, je reviens. J'expire, j'inspire. Le mouvement est fluide. Hein. Calé sur votre respiration. Voilà, j'expire, j'inspire. Le mouvement est fluide. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient au centre. On va faire des relevés de sacrum, toujours en pressant vos genoux, en pressant vos chevilles. On va inspirer. Sur l'expiration, je creuse mon ventre. Je colle tout doucement le sacrum. J'inspire, je repose doucement. Donc à chaque fois, on part du plancher pelvien, on remonte la contraction. S'il n'y a pas de problème lombaire, vous allez pouvoir monter un peu plus, hein, aller chercher plus loin derrière. Et je freine la descente surtout. Et vous ne lancez pas vos jambes, vous restez toujours en chaise renversée. Donc j'expire, je monte, je décolle doucement. Et j'inspire, je repose doucement. À nouveau, j'expire, je monte, je décolle doucement. Et je repose. On le fait encore une dernière fois, j'expire. On revient en chaise renversée, on va faire des relevés de buste. On va nous placer les doigts dans la tête sans croiser vos doigts, les coudes ouverts. J'expire, j'enroule le haut du buste et j'inspire, je déroule. Où j'imagine une petite balle sous le menton qui empêche le menton de rentrer. À chaque fois, on part du plancher pelvien, on remonte la contraction, toujours en pressant vos chevilles, en pressant vos genoux. Et surtout, vous ne rentrez pas les coudes. Hein. Les coudes restent toujours ouverts, sans croiser vos doigts. On le fait une dernière fois, on reste en position de préparation criss-cross. J'expire, rotation, j'inspire, je reviens, rotation. Donc, les coudes restent ouverts, hein, toujours votre centre. J'expire, rotation, vous pressez vos genoux, pressez vos chevilles, toujours en aspirant votre nombril. Donc, les coudes restent ouverts, hein, sur les basses côtes qui vont chercher les pignacs opposés. Le bassin ne bouge pas, c'est un bloc. J'expire, j'inspire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient au centre, on allonge les bras pour le 100. 5 battements dynamiques sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Ça tire trop sur le cou. Je repose ma tête. Donc les coudes sont tendus, les doigts sont tendus, serrés. On va prendre la pilates position, pieds pointés. On allonge les deux jambes. Donc là, vous ouvrez les hanches avec les fessiers, vous pressez vos talons et vos déducteurs, pieds pointés. Donc là, on va chercher à remonter un petit peu les jambes, toujours pilates position. On va faire des tout petits ciseaux. On reste en pilates position. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. Je change. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de tendre les genoux. N'allez pas trop bas, mais cherchez l'ouverture de vos hanches. Aucun mouvement au niveau du ventre. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Donc, bien en l'axe. Les genoux tendus, pieds pointés. On cherche la rotation externe des hanches avec les fessiers. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Et je pompe dynamique. On le fait encore une dernière fois, 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. On revient en chaise renversée, one leg stretch, donc les bras tendus pour venir face à face, tête épaule décollée si vous pouvez. Donc là, on écarte genou largeur du bassin, pied pointé. On va faire bras et jambes, j'expire, j'allonge ma jambe gauche,
vers l'obliquo et j'emmène mon bras droit derrière. J'inspire, je reviens. J'expire, bras gauche, jambe droite, d'accord? Précis. Et je reviens. Donc le bassin ne bouge pas, hein, c'est un bloc. J'expire. Et je reviens. J'expire. Et je reviens. Voilà, j'allonge tranquillement. On aligne bien le tibia par rapport au pied qui est en chaise renversée. Tendez bien jusqu'au bout des orteils. Hein. Contrôlez le mouvement. J'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Hein. C'est calé sur votre respiration. Épaules bien abaissées. Bien engagez vos obliques. Hein. Et là, on va alterner. Donc, j'expire, bras droit, jambe gauche. Je reviens. Et bras gauche, jambe droite. Et j'alterne. Si ça ne passe pas en alternant, vous reprenez la première option. Donc pareil, toujours précis, on emmène derrière. Après, on va chercher un peu plus loin derrière si vous pouvez, sans que l'épaule remonte, sans que les côtes se soulèvent. Bien revenir à chaque fois à la verticale. Précis au niveau des jambes. Cherchez la fluidité. J'inspire, j'expire. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Double leg stretch, on va prendre la pilates position, pieds pointés, talons serrés. Donc là, on va faire bras et jambes. On expire, j'emmène tranquillement mes bras derrière, j'allonge mes deux jambes devant et j'inspire, je reviens. Ouvrez bien vos hanches, pressez vos talons, toujours votre centre. Plus j'abaisse mes jambes, plus c'est difficile au niveau abdominaux, au niveau lombaire. Ça tire en bas du dos, surtout, vous plaquez vos lombaires, vous tendez plus à la verticale. Après, si vous pouvez abaisser, vous abaissez hein, à la sensation. Pareil, plus je vais abaisser mes bras derrière, plus les côtes ont tendance à se soulever. Donc bien engager vos obliques. Ouvrez vos hanches, pressez vos talons. J'expire autant que j'inspire. Le mouvement est fluide. Calé sur la respiration. Encore deux fois. La dernière. On revient. Ciseaux. On allonge les deux jambes vers le plafond. J'attrape ma cuisse droite avec mes deux mains. Tête épaule décollée. Si vous pouvez, pieds pointés. Vous plaquez bien vos lombaires contre le tapis. Je sens légèrement la jambe gauche. J'inspire, je sens jambe droite, je monte jambe gauche et j'expire, je tire sur ma jambe gauche. Et puis vous alternez progressivement. Et puis on va essayer de descendre tranquillement. Hein. La jambe vers le tapis si vous pouvez. Donc si vous pouvez tendre vos genoux, vous tendez. Hein, sinon, vous gardez un genou légèrement déverrouillé. Et là, vous cherchez le stretch. Hein, j'expire. On va chercher à tirer sur votre cuisse et à contrebalancer avec l'autre. Aucun mouvement au niveau du ventre. Simplement les côtes qui s'écartent et qui se referment. Le mouvement est fluide. Comme si on avait des bâtons à la place des jambes. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient en chaise renversée, criss-cross complet. Les doigts à la tête, vous ne croisez pas vos doigts comme à l'échauffement, coude ouvert. J'expire, rotation à droite, allonge ma jambe gauche. J'inspire, je reviens. Rotation à gauche, allonge jambe droite. Donc la rotation se fait revenir vers le genou qui est fléchi. Les coudes restent toujours en ouverture. Le bassin ne bouge pas. Concentrez-vous sur les obliques qui font la rotation du buste et précis au niveau de vos jambes. J'expire. Le mouvement est fluide, calé sur votre respiration. Allongez bien jusqu'au bout des orteils et je contrôle. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient, on attrape les genoux, on les tire un peu le bas du dos. Je repose ma tête. Je tourne ma tête à droite et à gauche pour relâcher le cou. Dernière fois de chaque côté. On repose le bas du dos, on repose un pied puis l'autre. J'allonge ma jambe gauche. Donc là, on amène la jambe droite en chaise renversée pour le one leg circle. Si vous pouvez tendre votre genou, vous tendez. Pieds pointés, on essaie de se rapprocher de l'axe vertical. Les deux pieds sont pointés, les épaules détendues. Donc là, je vais inspirer à l'intérieur du cercle, expire à l'extérieur. J'inspire, j'expire. On le fait ensemble, donc j'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Sans bouger votre bassin, sans bouger votre jambe d'appui. Et après, on essaie d'augmenter un petit peu l'amplitude, hein, toujours en revenant. En passant par l'axe vertical. On augmente un petit peu, on va chercher un peu plus à l'extérieur, un peu plus devant. Le bassin ne bouge pas. Un dernier. La même chose dans l'autre sens. On revient à l'axe vertical. J'inspire, j'expire. Le mouvement est fluide. Donc, soit les petits cercles, hein, soit vous pouvez augmenter un petit peu, mais sans bouger votre bassin. On cherche à stabiliser le bassin avec les muscles profonds, toujours en vous grandissant. Encore deux cercles. Le dernier. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. J'allonge ma jambe droite, le pied pointé. Sur l'expiration, j'amène ma jambe gauche en chaise renversée. On va essayer de tendre tout doucement le genou. Pied pointé. Donc pareil, j'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Petit cercle au départ. Après, on augmente un peu l'amplitude. Le mouvement est fluide. Calé sur votre respiration.
Et je contrôle, j'inspire, j'expire. Encore deux fois. Dans l'autre sens, j'inspire, j'expire. Le mouvement est fluide. Stabilisez bien votre bassin, relâchez vos épaules, toujours en vous grandissant. Si vous pouvez tendre votre genou, vous tendez. On cherche l'allongement des jambes. Encore deux fois. La dernière. Et on repose, on relâche un petit peu. Les pieds à plat, largeur du bassin, genou fléchi. Pour le shoulder bridge, pas de coussin sous la tête pour ce mouvement. Les bras le long du buste, les bras resteront sur le tapis. On va inspirer sur l'expiration, je remonte pubis. Je creuse mon ventre, j'imprime mes lombaires contre le tapis avec mes abdominaux. Ensuite, je monte le bassin, je contracte mes fessiers, mes ischio-jambiers. J'essaie d'appuyer autant pied droit que pied gauche et je cherche à aligner le bassin entre mes genoux et mes épaules. J'inspire, je stabilise. J'expire, je déroule mes vertèbres dorsales, mes lombaires, je retrouve la position. J'inspire à nouveau les abdominaux, ensuite fessiers, ischio-jambiers. J'inspire et j'expire, je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. À nouveau. J'inspire, je stabilise et je déroule dans l'axe. Sur la prochaine répétition, on va rester en position. Donc là, je garde le bassin soulevé. On va amener la jambe droite en chaise renversée. On va allonger tranquillement le pied flex. Donc là, on va faire un mouvement de pédalage. Donc le bassin ne descend pas. J'expire, j'abaisse ma cuisse droite parallèle à ma cuisse gauche, pas plus. Ensuite, je fléchis, je reviens genou au-dessus de ma hanche. Je déplie vers le plafond. J'abaisse parallèle à la cuisse gauche et je reviens. On le fait ensemble. Voilà, j'expire. Contrôlez bien le mouvement. J'inspire, je reviens. J'expire. Voilà, n'allez pas trop vite. Contrôlez votre mouvement. J'expire. J'inspire. Encore deux fois. Le bassin reste soulevé. Et on fait le choix dans l'autre sens maintenant. Hop. J'inspire, j'expire. J'inspire, je ramène. J'expire. J'inspire, je ramène. Rétro-pédalage. Voilà, encore deux répétitions, le bassin ne bouge pas, toujours votre centre, le pied d'appui reste bien à plat. Ensuite, hop, je reviens, je repose. On décolle donc pied gauche, pédalage, donc j'allonge tranquillement, je descends de cuisse parallèle à la cuisse droite, je reviens, on le fait ensemble. J'expire, j'inspire. Essayez de bien allonger votre jambe, hein. On descend, on fléchit, on cherche la fluidité sur le mouvement, on déplie bien, encore deux fois. Rétro-pédalage. Hop, là, je reviens. J'expire, je pousse, j'allonge dans le prolongement de la cuisse. Je reviens, j'inspire et j'expire. Pareil, hein, cherchez la fluidité sur votre mouvement. Encore deux fois. Calé sur la respire. La dernière. On revient, on repose. On inspire. Et sur l'expiration, on déroule dorsal, lombaire. On retrouve le temps, on relâche un petit peu. On s'installe sur la tranche du corps pour le side lift. Donc, le bras tendu dans le prolongement du buste. S'il y a problème d'épaule, mettez le coussin sous la tête, le bras devant, le bras dans le prolongement du buste. Les deux jambes sont en tension. J'aligne cheville, genou, hanche, épaule, oreille. On place le bassin en position neutre. On engage le centre. On relâche bien le cou, les épaules. Les doigts sur le tapis si vous voulez, mais ne mettez pas tout le poids du corps sur votre main. Donc là, on va inspirer. Sur l'expire, je prends un appui sur le coude. Je soulève le haut du buste et mes deux jambes simultanément. Je redescends. Je repose à peine et je remonte aussitôt. Donc, je me concentre hein, sur les muscles à taille, les muscles moyens fessiers de ma jambe de ciel et les muscles adducteurs de ma jambe de terre. Je travaille également sur l'équilibre. Voilà, contrôlez bien, relâchez vos épaules, tirez sur vos jambes. On cherche la fluidité, j'expire. Autant que j'inspire. Encore deux fois. Dernier, on va rester en position, on maintient toujours votre centre, tirez sur vos jambes, aspirez bien votre nombril. Une dernière respiration latérale thoracique. Et on redescend, on relâche. On va passer en position à plat ventre pour le swan dive. Les jambes tendues, largeur du bassin, on appuie sur le dos des pieds. Petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On a le pubis qui vient en contact avec le tapis. On va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril en engageant les transverses. Et puis on va abaisser les côtes en engageant ses obliques. Les bras le long du buste, position du saut thoracique. On a les paumes de main tournées vers le sol. Menton rentré. Donc là, les deux jambes en tension. Si vous pouvez décoller un peu vos genoux, vous décollez un peu vos genoux. On va inspirer, soulever tout doucement le haut du buste
avec les muscles spinaux. En même temps, je décolle les paumes du tapis en tirant mes doigts vers mes orteils. Le menton, il reste rentré sur la poitrine. Je glisse mes omoplates sur les poches du pantalon. On expire, on redescend, on repose simplement le bout du nez, pas les mains. J'inspire, je soulève le buste et j'expire. Donc, bien prendre l'extension dans le haut de votre dos si vous pouvez. Surtout, vous ne lâchez pas au niveau du centre. Le pubis reste toujours en contact avec le tapis. Hein, et pensez à faire glisser les omoplates sur les poches du pantalon. Menton rentré, nuque longue. Voilà, j'inspire, je monte doucement. J'expire, je redescends. On fait bien glisser. S'il n'y a pas de stress au niveau lombaire, on monte encore un petit peu plus. Les deux jambes sont en tension. On le fait encore une dernière fois. On va rester en position si vous pouvez. Placez les bras de chaque côté comme ceci, perpendiculaire par rapport au buste. Et petit mouvement. J'inspire, je tire les bras au plafond et je redescends légèrement. Je cherche à resserrer mes omoplates. Toujours en gardant le haut du buste soulevé. Les deux jambes sont en tension, le menton rentré, épaules basses. Voilà. Et on va chercher à monter de plus en plus haut. J'inspire, j'expire. Encore deux fois. La dernière, on reste en position, maintien, tirez sur vos jambes, allongez bien votre nuque. Une dernière respiration thoracique. Et on redescend, on relâche un petit peu. Double leg kick, on va faire le haut du buste et les jambes. Donc toujours votre centre engagé, le pubis en contact avec le tapis. On prend la pilates position, rotation externe des hanches. Vous pressez vos talons avec les adducteurs. On fléchit les genoux, talons plafond avec les pieds flex. Ça, c'est la position de départ. Les genoux posés ou décollés si vous pouvez. Plus difficile avec les genoux décollés. On attrape les doigts dans son dos. On tourne la tête côté gauche. On vient poser la joue droite sur le tapis. On va inspirer, tendre les genoux, pieds pointés. Je soulève le buste. Dans là, je rentre mon temps poitrine. Je glisse mes doigts vers mes orteils. Et j'expire, je redescends. J'amène talon plafond, je flex. J'inspire, je tends, je tire sur les bras. Je soulève le buste et j'expire. Je redescends. J'inspire. J'expire. Donc le mouvement est fluide, hein, calé sur votre respiration. J'inspire, je monte doucement. J'expire, je redescends. Donc bien prendre l'extension de l'eau de votre dos. À chaque fois, vous glissez vos doigts vers les orteils, hein, vous tirez bien sur vos bras. J'inspire autant que j'expire. Le mouvement est fluide. Voilà, j'inspire, je monte doucement. J'expire. Ouvrez bien vos hanches, hein, pressez vos talons, tendez vos genoux. J'inspire, j'expire. Encore deux fois. La dernière. Et on revient, on relâche un petit peu. On s'installe de l'autre côté pour le side lift. Donc là, sur la tranche du corps, le bras tendu dans le prolongement du buste. La main est à plat sur le tapis. Je pose la tête sur le bras. Les deux jambes sont en tension. On aligne cheville, genoux, hanche, épaule, oreille. Les doigts sur le tapis, hein, ou sur le couteau du pantalon. Donc là, on va inspirer. Sur l'expiration, on soulève le haut du buste et les deux jambes. On redescend. Sans mettre tout le poids du corps sur vos doigts. Donc, tirez bien sur vos jambes, toujours en aspirant votre nombril. Et on cherche la fluidité. Hein. C'est calé sur la respiration. Donc, j'expire, je monte doucement. Toujours le centre. Je redescends. Je prends un appui sur le coude. Hein. C'est vraiment équilibré. Les deux jambes sont en tension. Voilà, je monte tranquillement. Je redescends. La dernière, on reste en position, on maintient la position, toujours votre centre, tirez sur vos jambes, bien aspirez votre nombril, les deux jambes en tension, une dernière respiration thoracique, et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On va venir s'asseoir tout doucement pour le neck pull. Donc le petit coussin derrière, les jambes tendues, largeur du bassin, les pieds sont flex, on redresse la colonne, on engage bien le centre, on va venir placer le dos des mains au niveau du front, les coudes tirer vers l'arrière, épaules basses. On va inspirer, préparation au neck pull. J'expire, je descends dos plat. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je descends dos droit. Et j'inspire, je reviens. J'expire. Ensuite, je vous montre le mouvement complet. Donc, j'expire, je descends pareil. J'inspire, je stabilise. J'expire, je bascule le bassin. Je creuse le ventre. J'arrondis le bas du dos. J'inspire, je stabilise. J'expire, j'enroule vers l'avant. Mes coudes restent ouverts. Mes épaules sont basses. Comme pour un spine stretch. Et là, par contre, je vais dérouler par le haut. On va pas dérouler par le bas, on déroule cervical, dorsal. Donc, bien, on revient. J'expire, je descends dos plat. J'inspire, je stabilise. J'expire, je descends. Je creuse le ventre. J'inspire, j'expire, j'enroule. Coude ouvert, épaule basse. On étire la chaîne postérieure. Et j'inspire, je relève le menton. À nouveau, j'expire. S'il n'y a pas de problème lombaire, on peut descendre plus bas ou complètement sur le dos. J'inspire. Vous ne lâchez pas vos coudes. Quand vous enroulez, attention que les coudes ne rentrent pas. Cherchez à toujours tirer les coudes à l'arrière.
J'enroule, j'étire ma chaîne postérieure, j'inspire, j'expire, j'expire, je creuse le ventre, je descends tranquillement, j'inspire, j'expire, j'enroule. Les coudes restent ouverts, creusez votre ventre, on enroule loin devant, et j'inspire, je reviens, j'expire, on descend tranquillement, j'inspire. Donc là, j'enroule, je plaque mes lombaires, je creuse mon ventre, les coudes restent ouverts, on va chercher. Étire la chaîne postérieure et je redresse. On le fait encore une dernière fois. J'expire, j'inspire, j'expire, je descends. J'inspire, je stabilise. Et j'enroule, je creuse le ventre. On enroule loin devant. Et on revient, on relâche un petit peu. On va garder ensuite les jambes pour le spine twist. Vous allez pouvoir donc, si tendre les genoux si vous pouvez, sinon fléchir un petit peu, ça tire trop. Sinon, placer plante de pied face à face. Donc, toujours le bassin en position neutre. On redresse bien la colonne. On imagine avoir le gros ballon entre ses bras. Les doigts sont croisés, coude ouvert, épaule basse. Donc les doigts toujours dans l'axe de votre sternum. Hein, c'est le repère. On va inspirer. Sur l'expire, je fais une rotation du haut du buste. J'accompagne du regard. J'inspire, je reviens. Et j'expire, rotation de l'autre côté. J'inspire et à nouveau. Donc la tête, les bras et le corps forment un seul bloc qui pivote sur l'axe de la colonne vertébrale. Concentrez-vous sur le travail des muscles latéraux, les muscles obliques qui font la rotation du buste. Tous les spinaux également travaillent le long de la colonne. J'expire, rotation. J'inspire, je reviens. Et à nouveau, on cherche la fluidité. Vous allez chercher un peu plus loin sur la rotation, sans que les pieds glissent, sans que le bassin bouge. Toujours en poussant bien sur les points des fesses, en partant de votre centre. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. On revient, on relâche un petit peu, on décontracte un petit peu. On va s'installer ensuite sur le côté, position du side bend. On va passer un appui sur l'avant-bras. Donc tout le monde sur l'avant-bras, le coude placé sous l'épaule, la main est à plat. Les genoux sont fléchis, on a les deux jambes, les deux cuisses l'une sur l'autre, talon près les fessiers. On va monter le bassin. Donc là, je monte le bassin, je garde le bassin soulevé, je pousse fort sur l'avant-bras, je travaille l'épaule. Les muscles de la taille, les muscles moyens fessiers de ma jambe de ciel. J'allonge ma jambe de ciel, ma jambe de terre, pardon. Donc j'allonge ma jambe de ciel, toujours mon centre. Et là, je vais simplement pied flex, j'expire, je monte doucement, j'inspire, je redescends. Et le bassin, il ne descend pas. On le fait ensemble. J'expire. Voilà, poussez bien sur l'avant-bras, toujours votre centre. Hein, et je contrôle. J'expire, j'inspire. Après, c'est trop difficile. Après, vous restez, vous reposez éventuellement dans cette position facile. J'expire. Une dernière, on reste en position. Donc là, on va fléchir le genou, mouvement de pédalage. J'expire, j'allonge, j'emmène légèrement derrière, je fléchis, je reviens. Je passe devant, je passe derrière. C'est parti. Le bassin, il ne bouge pas. Hein. Toujours votre centre. Cherchez la fluidité, poussez bien sur votre avant-bras. Et je contrôle devant, derrière. Voilà, j'inspire, j'expire. On cherche la fluidité. Hein. Passez bien devant, derrière. Encore un dernier. Dans l'autre sens, je passe devant, je fléchis, je pousse. J'inspire, j'expire. Voilà, je passe devant, derrière. Calé sur la respiration. Toujours un mouvement fluide. Voilà, sans descendre le bassin, toujours en poussant sur l'avant-bras. Encore deux fois. La dernière. Et on revient, on redescend tranquillement. On relâche un petit peu, on place le pied à l'intérieur de la cuisse. Je pousse la paume dans le plafond, j'abaisse mes épaules, j'abaisse bien mes côtes. On maintient l'étirement sur la chaîne latérale. J'inspire autant que j'expire. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, leg pull supine, travail de gainage sur la chaîne postérieure. Donc là, on va prendre la pilates position, vous allez pouvoir ouvrir hanche, rotation externe. Et les genoux tendus, les talons sont serrés, les pieds pointés. Donc les mains à plat sur le tapis, doigts vers l'arrière ou vers l'extérieur, plus facile pour les poignets, ou vers l'avant, où on appuie sur les poings, ça tire trop sur les poignets. On va éloigner un petit peu les mains du bassin. On redresse le haut du buste avec les muscles spinaux. On engage le centre, on abaisse bien ses côtes. Les épaules sont basses, on va inspirer. Sur l'expiration, on soulève le bassin. J'aligne le bassin entre les chevilles et les épaules, j'inspire, je redescends. Je repose à peine et je remonte. Ouvrez bien vos hanches, tirez sur vos jambes. Je contrôle la montée. Je contrôle ma descente. J'expire autant que j'inspire.
Toujours un mouvement fluide. Hein. J'expire autant que j'inspire. Encore deux fois. La dernière, on reste en position. Les épaules restent bien abaissées, toujours votre centre. Hein, donc le menton pas trop rentré, pas trop derrière non plus. Entre les deux, on monte bien le bassin. Simplement les côtes qui s'ouvrent et qui se referment. Une dernière respiration latérale thoracique. Et on redescend tout doucement. On relâche un petit peu. On s'installe de l'autre côté. Pour le side bend, donc on appuie sur l'avant-bras, le coude placé sous l'épaule. Les genoux sont fléchis, on ouvre un petit peu l'angle entre les cuisses sur le buste, on engage le centre. Donc là, je pousse bien sur ma jambe sur l'avant-bras, je maintiens l'épaule, j'allonge ma jambe de ciel, pied flex, trop difficile, vous reposez, vous restez dans cette position pour faire le mouvement. Sinon, hop, je soulève. Donc jambe tendue, pied flex, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends. Je contrôle en montant, je contrôle en descendant. Le mouvement est fluide, hein. Calé sur votre respiration. La dernière, mouvement circulaire, mouvement de pédalage, j'expire, j'inspire. Donc j'expire, j'allonge, hop, j'inspire, je reviens, je passe devant, je passe derrière. Essayez de bien passer derrière sans bouger votre bassin. Contrôlez le mouvement, n'allez pas trop vite. Cherchez la fluidité. J'inspire, j'expire. Encore deux fois. La même chose dans l'autre sens. Je fléchis, j'allonge tranquillement, je reviens. J'inspire, j'expire, je contrôle. Poussez bien sur l'avant-bras, ne lâchez pas votre centre. On cherche la fluidité. Je passe devant, je passe derrière. J'inspire, j'expire. Encore deux fois. La dernière. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. On place le pied à l'intérieur, on pousse la paume dans le plafond, j'abaisse mes épaules, j'abaisse bien mes côtes. On maintient l'étirement sur la chaîne latérale. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on va passer en position à plat ventre pour le swimming. Donc les bras tendus dans le plongement des épaules, les jambes tendues largeur du bassin, on appuie sur le dos des pieds. Petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre, on a le pubis qui vient en contact avec le tapis, on va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril en engageant les transverses, puis on abaisse les côtes en engageant ses obliques. On contracte les fessiers, on contracte l'avant des cuisses pour bien tendre ses genoux, pieds pointés vers le mur derrière, on soulève un petit peu le haut du buste avec les muscles spinaux, la tête décolle, menton rentré. Si vous pouvez garder vos genoux décollés, vous gardez vos genoux décollés. Donc là, on va inspirer sur l'expire, je soulève tout doucement bras droit, jambe gauche, les paumes de main tournées vers le sol, et on inspire, on descend, on pose bras gauche, jambe droite. Donc, soit vous expirez, vous inspirez à chaque fois, vous reposez, soit vous effleurez, sans reposer les bras, sans reposer les jambes. Toujours en chaîne croisée, bras, jambes opposées. Donc, on garde bien le haut du buste soulevé, le menton est rentré, les deux jambes sont en tension, vous ne tirez pas sur vos bras, sinon les épaules remontent. J'inspire, j'expire, sans bouger le buste si vous pouvez. Cherchez la fluidité, j'inspire, j'expire. Calé sur la respiration, et je contrôle. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Leg pull prone, travail de gainage. On va passer en appui sur les avant-bras. Les coudes sont placés sous vos épaules. Les mains à plat. Donc, petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre. On engage le centre. On rentre bien ses côtes. On pousse sur les avant-bras. On écarte bien les omoplates. On va inspirer sur l'expire. Je prends appui sur les genoux. Je soulève le bassin. Je prends appui sur mes orteils. Et je maintiens. Donc, soit je garde cette position planche sans bouger. J'inspire, mes côtes s'écartent, j'expire, elles se referment. Poussez bien sur vos avant-bras, abaissez vos épaules. Sinon, vous allez inspirer. Sur l'expiration, on amène les genoux sous les hanches. Donc forcément, le bassin va monter, on n'est plus aligné et on redescend tranquillement. J'expire et j'inspire. J'expire. 1, 2, j'inspire. 3, 4. Donc forcément, le bassin, il soulève, il monte. Poussez bien sur vos avant-bras. Et je reviens à chaque fois, j'expire. Sinon, je reste en position planche. Toujours votre centre engagé. On le fait encore une dernière fois. Et là, on va rester en position. On ramène les genoux sous les hanches. Donc, je garde cette position. Je rentre un peu le menton. Et là, je vais expirer, c'est de tendre mes genoux. Tranquillement, j'inspire, je reviens. Donc, je pousse les fesses dans le plafond, je tends mes genoux. Mes talons sont décollés. Je rentre un peu le menton pour la tête dans le prolongement. Je pousse bien sur les avant-bras. Et je reviens, j'expire.
Donc, si vous pouvez tendre les genoux, vous tendez, hein, talon décollé. J'appuie autant pied droit que pied gauche, le menton un peu rentré, épaule basse. Poussez bien sur vos avant-bras. Encore deux fois. La dernière. On revient, on allonge jambe droite, jambe gauche. On reste un petit peu en gainage. Toujours le centre, cherchez l'alignement. Cheville, genou, hanche, épaule, oreille. La respiration est fluide. Une dernière respiration latérale thoracique. On repose un genou puis l'autre. On vient s'asseoir tranquillement sur les talons. On étire un petit peu ses bras, son dos. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se referment. Une dernière respiration latérale thoracique. On place les mains près des genoux, on prend appui sur les mains, on déroule son dos vertèbre par vertèbre. On relâche un petit peu, on va passer en appui sur les genoux pour le kneeling side kick, side kick sur les genoux. Donc genoux placés sous les hanches. Si ça pose problème, vous pouvez vous mettre en position side kick habituelle. On reprend la position side kick, d'accord? Sinon, le side kick sur les genoux, genoux sous les hanches, on décale la main, on décale le pied, on a les doigts, le genou et le pied alignés. On ne vient pas s'asseoir sur le talon, donc poussez bien votre bassin à l'avant, la hanche au-dessus de votre genou. Je remonte pubis, j'abaisse bien mes côtes, j'engage mon centre, sans mettre tout le poids du corps sur la main, le poids du corps il est plus sur mon genou. La main à la tête, coude ouvert. On décolle le pied, on expire, on monte et on inspire, on descend sans reposer. Donc le genou est tendu, le pied est pointé. Cherchez l'allongement de la jambe, toujours en partant de votre centre. On le fait ensemble. J'expire. J'expire, je monte, j'inspire, je redescends. Toujours fluide dans votre mouvement. Calé sur votre respiration. Dernier, on reste en position haute. On va inspirer, emmener devant, pied pointé. J'expire, j'emmène derrière, je flexe. Je pointe devant, je flexe derrière. Je monte bien tendu, sans bouger le bassin, toujours le pubis vers l'avant. Le centre engagé, les épaules sont basses. J'inspire, je pointe devant, j'expire, je flexe derrière. J'inspire, j'expire. Encore deux fois. La dernière. On revient, on relâche un peu. On change de côté, on décale la main, on décale le pied. Donc les doigts, le genou, le pied aligné, je pousse le bassin à l'avant, j'engage mon centre. La main, la tête, coude en ouverture, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends. Donc genou bien tendu, pied pointé. Le mouvement est fluide. Calé sur la respiration. J'expire autant que j'inspire. Le mouvement est fluide. Une dernière. On reste en position. J'inspire, j'emmène devant, je pointe, j'expire, je flexe derrière. Je pointe devant, j'expire, je flexe derrière. Toujours votre centre. Bien lâchez vos épaules. Et je contrôle, j'inspire, j'expire. Voilà, cherchez la fluidité, calé sur votre respiration. Encore deux fois. La dernière. Et on revient en position de départ. On relâche un petit peu. On vient s'asseoir tout doucement pour le hip twist. Donc hip twist, soit vous mettez les mains de chaque côté comme ceci, plus facile. Soit les doigts, soit les mains à plat. Soit les doigts, les mains, mais avec les bras derrière. Donc plus difficile, ça demande beaucoup plus de souplesse. Donc ça, plus facile, ça, plus difficile. Position, donc là, on n'est pas en position neutre. Au niveau du bassin, on va passer en flexion lombaire, j'arrondis le bas du dos, j'engage mon centre, j'abaisse bien mes côtes, les mains derrière sur les côtés, en même temps, je vais redresser le haut du buste avec les muscles spinaux, mais sans lâcher au niveau du centre. Donc, les épaules sont bien abaissées. Au départ, donc, je vais rester comme ça. Donc là, les genoux sont serrés, les chevilles sont serrées, épaules basses. On va décoller simplement les talons, on expire, on transfère le poids du corps sur une fesse, on inspire, on revient, puis on expire, on transfère sur l'autre fesse. Un petit mouvement en gardant les genoux serrés. J'inspire, j'expire. Voilà, épaules bien abaissées, toujours votre centre. Voilà, je transfère d'une fesse sur l'autre. Après, si vous le sentez, vous allez pouvoir décoller vos orteils. J'inspire, j'expire. Donc, je vais mettre de face. Là, vous tirez les genoux dans la poitrine et vers le plafond.
Joues bien serrées, sans bouger le haut du buste, sans bouger vos épaules. Et je contrôle. Je me concentre sur l'avant des cuisses, sur les fléchisseurs de hanches et les muscles à taille. Ensuite, donc là, on va faire le twist cancan, mais directement. Donc, j'expire, je transfère et j'allonge ma jambe gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, je transfère, j'allonge ma jambe droite. Et je reviens. Donc là, vu que je suis en miroir, c'est l'inverse. Donc là, j'allonge ma jambe droite, hein, d'accord, je reviens. Et là, j'allonge ma jambe gauche. Et je reviens. Donc, gardez bien le genou serré, hein, n'allez pas trop vite. Hein. Donc, si vous pouvez tendre, vous tendez. J'expire. J'inspire. Maintenant, on va faire avec les deux jambes, si vous pouvez. Donc, j'expire, je pars à droite, je mets deux jambes ce que je peux. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je transfère, hop, et je reviens. J'expire. Sans bouger vos épaules, sans bouger le haut du buste. Hein, toujours fluide, calé sur votre respiration. On transfère. On revient. On va le faire encore une dernière fois de chaque côté. Hein, je transfère tranquillement, j'allonge ce que je peux, je reviens. Sans lancer vos jambes, toujours votre centre. Dernière, on revient au centre, on reste en position. Et là, vous pressez vos genoux, pressez vos chevilles. Toujours cette position, on maintient la position. Et là, je presse et je redresse au maximum. Et je presse. Hein. Pressez vos chevilles, pressez vos genoux, toujours en aspirant le nombril. Épaule basse, on presse encore un petit peu. Une dernière respiration latérale thoracique. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Ensuite, the saut. Donc, c'est la scie, c'est le mouvement entre le, c'est le mix entre le spine twist et le spine stretch. Vous allez pouvoir ouvrir vos jambes au maximum. Les pieds sont flex, joues tendues si vous pouvez. On redresse le haut du buste, les doigts sur les épaules, coude ouvert. Donc, pensez bien tirer vos coudes à l'arrière. On va inspirer. Sur l'expire, je fais une légère rotation spine twist et je roule cervical, dorsal, lombaire sur ma cuisse droite. J'inspire, je déroule mon dos le long du mur, lombaire, dorsal, cervical. Donc, rotation, j'enroule par le haut. Et ensuite, je déroule par le bas, lombaire, dorsal, cervical. Rotation, j'enroule, je garde mes coudes tirés, mes épaules basses. Et on déroule tout doucement. On revient. Rotation, j'enroule. Et on déroule. On rajoute le bras. Donc, j'expire, rotation à droite. Dès que j'enroule, j'allonge mon bras gauche. La paume de main tournée vers l'intérieur. Donc, la main en couteau. Le petit doigt va chercher le petit orteil opposé. Ensuite, je reviens, je place mes doigts sur mon épaule. Je reviens, j'expire, rotation, j'enroule. Dès que j'enroule, j'allonge le bras droit. Donc, le bras est bien tendu. La main est bien ferme. La main en couteau, le petit doigt chercher le petit orteil opposé. Et j'inspire, je reviens. Et on enchaîne. Rotation, j'enroule, allonge bien le bras, je tire l'autre coude vers le mur derrière et j'enroule cervical, dorsal, lombaire et je déroule lombaire, dorsal, cervical. Et à nouveau. Toujours un mouvement fluide, hein, calé sur votre respiration. Vous allez grappiller un petit peu à chaque fois. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Et on revient en position de départ, on relâche un petit peu. Ensuite, vous allez pouvoir vous installer sur le côté, sur la tranche du corps, comme pour un saïki. On va tirer la partie avant de la cuisse, le quadriceps. Donc, le bras tendu dans le prolongement du buste, on remonte les deux genoux, hein, les cuisses perpendiculaires par rapport au buste. On attrape le dos du pied et de la jambe de ciel. La cuisse dans le prolongement du buste, on relâche bien le cou, les épaules. Et là, vous allez pouvoir chercher à tirer votre genou à l'arrière. Donc, dès que je tire mon genou en arrière et dès que je contracte mes abdos, ça vient tirer sur l'avant de ma cuisse hein, et on maintient l'étirement du quadriceps. J'inspire autant que j'expire. On tire encore un petit peu le genou à l'arrière, on rétroverse le bassin. On essaie de tirer encore un petit peu le genou, tout doucement, progressivement. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on s'installe tranquillement de l'autre côté. Donc, même principe, le bras dans le prolongement du buste ou devant. On remonte les deux genoux, on attrape le dos du pied de la jambe de ciel. Donc là, je rétroverse le bassin, je contracte mes abdominaux, je tiens un peu mon genou vers l'arrière. Et dès que vous sentez le stretch sur l'avant de votre cuisse, vous maintenez la position. J'inspire autant que j'expire.
On essaie de tirer encore un petit peu le genou en arrière, on rétroverse le bassin. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche. On va s'allonger tranquillement sur le dos. Donc là, pour récupérer le coussin, si vous voulez, on engage le centre, on attrape les genoux, les coudes ouverts. On tire tranquillement les genoux à la poitrine. Le bas du dos décolle un petit peu. On maintient l'étirement du bas du dos. J'inspire autant que j'expire. Je tire encore un petit peu plus les genoux à la poitrine. Les épaules sont relâchées. Une dernière respiration latérale thoracique. On relâche, on repose. On repose un pied puis l'autre. Soit je garde les pieds à plat, soit j'allonge complètement mes jambes sur le tapis. On relâche les bras, le ventre, les cuisses, les jambes. Et on va prendre la respiration naturelle, la respiration abdominale. On va inspirer par le nez, le ventre va se gonfler naturellement. Et j'expire petit filet par la bouche, le ventre se dégonfle naturellement. À nouveau, j'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, le ventre se dégonfle. On va prendre ensuite la respiration de Muller pour détendre notre diaphragme. À nouveau, j'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, je vide petit filet par la bouche. On va essayer de vider au maximum l'air qui se trouve dans les poumons. Donc, vider, 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 vider jusqu'au bout. On bloque la respiration. Sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Puis vous inspirez profondément par le nez, vous gonflez au maximum. Et vous lâchez tout. À nouveau, j'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, je vide petit filet par la bouche, on vide au maximum. On bloque sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Vous inspirez profondément, vous gonflez au maximum. Et vous lâchez tout. À nouveau, j'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je vide petit filet par la bouche, on vide au maximum jusqu'au bout. On bloque sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Vous inspirez profondément, vous gonflez au maximum. Et vous lâchez tout. À nouveau, j'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je vide petit filet par la bouche, on vide au maximum. On bloque sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Puis vous inspirez profondément, vous gonflez au maximum et vous relâchez. On le fait encore une dernière fois, j'inspire, mon ventre se gonfle et j'expire, je vide petit filet par la bouche, on vide au maximum. On bloque sans respirer, vous cherchez à gonfler votre ventre. Puis vous inspirez profondément, vous gonflez au maximum. Et vous relâchez. On va reprendre la respiration naturelle, la respiration abdominale. J'inspire autant que j'expire.
Une dernière respiration abdominale. On repose un pied puis l'autre à plat sur le tapis. On bascule tranquillement sur le côté. On passe, on appuie sur les mains, on appuie sur les genoux. On appuie sur les orteils. J'expire, je monte les fesses, je creuse, montre et je déroule mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales. Et c'est terminé. Merci beaucoup. Très bien, j'espère que vous avez bien travaillé, hein, que la séance vous a plu, que ça vous a fait du bien. Vous continuez surtout aux petits exercices, hein, donc les enroulés contre le mur, le gainage, hein, tous les jours, ça c'est indispensable, les quatre planches, la respiration, cohérence cardiaque, matin, midi et soir, 5 minutes, ça c'est super important. Les compléments alimentaires, hein, en général, vitamine D, on arrête l'été, mais je vous conseille de continuer, hein, vitamine D tout l'été, vitamine C, il ne faut pas jamais arrêter, le zinc, et puis magnésium, hein, continuez également. Super important pour la gestion du stress. Donc, je fais cours encore. Donc, il n'y a pas cours mercredi en live. Hein, je reprends mes cours en présentiel mercredi matin. Donc, ça, c'est une super nouvelle. C'est cool. Tout le monde, normalement, vous avez reçu un mail, hein, pour la reprise. Donc, après, bah, chacun me renvoie un message, hein, si vous souhaitez reprendre maintenant ou qu'à la rentrée. Et puis, samedi, je ferai cours en live sur YouTube. Et puis, après, la semaine prochaine, bah, je reprends en présentiel. Donc, il n'y aura plus que le samedi matin sur YouTube, vu que je ne reprends pas le fly pour l'instant. On reprendra le fly, j'espère, ben, le plus tôt possible, en fonction des travaux. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci Magali, encore merci. Hein. C'est vraiment super gentil. Bon, merci pour la reprise. C'est super gentil pour la reprise et puis ben, pour la participation également. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci Anne, merci Réginal. À lundi, donc je vous envoie un petit SMS, hein, pour lundi. Merci Monica, et puis merci aussi pour la participation, Monica. Hein, c'est vraiment super gentil. Bonne journée et belle semaine à toi également. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le cours. Merci Christine. Donc ça marche, c'est noté pour mardi prochain à 10h. Voilà, bonne journée, belle journée, il va faire super beau en plus, donc profitez bien, hein, essayez de faire au moins une ou deux séances dans la semaine. Salut Brigitte, à lundi, bonne journée à toi également. Et puis, bah, continuez, hein, surtout, hein, les enrouler, les petits. C'est pas très long à faire, hein, mais c'est super efficace. Hein. Si vous en faites un petit peu tous les jours, c'est la clé, en fait. Hein, c'est ça, faire un petit peu tous les jours. Et puis, quand vous avez un peu plus de temps, bah, vous faites une séance complète, hein, avec le live ou le replay. C'est Daniel. Merci. Non, c'est pas le dernier cours en live, en fait. Hein, je vais continuer le live le samedi matin, en fait. Il n'y aura pas cours le lundi, il n'y aura pas cours le mercredi, parce que bah, forcément, je reprends mes cours en présentiel. Mais je ne vais pas prendre en présentiel le samedi matin pour l'instant, parce que je ne vais pas faire les cours de fly yoga. Ils reprendront bah, à la rentrée ou en fonction des travaux qu'on va faire. Et donc, le samedi matin, je continue le live jusqu'à cet été, en fait. Hein. Donc, tous les samedis matins à 11h, hein, je continue les lives sur YouTube. Voilà. Et donc, il y a encore cours samedi prochain. Voilà, je pense que j'ai tout dit. SMS, hop. Et donc, la semaine prochaine, le cours se fera avec une chaise. Donc, samedi de la semaine prochaine, avec une chaise, voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, hein, pour tous vos petits messages. Merci pour votre soutien également. Hein. C'est vraiment super, super sympa. Et voilà donc. Soit je vous revois samedi matin, sinon je vous revois en présentiel à partir de mercredi ou à partir de lundi prochain. Voilà, c'est une super nouvelle. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.